Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope du cancer pour 2023. Comme toutes les autres vidéos, donc je vais parler des trois décans. Donc le premier décan sont les natifs nés du 22 juin au 2 juillet environ, hein, selon les années. Donc ça peut être un jour avant, un jour après. Les natifs du deuxième décan sont nés du 2 juillet au 12 juillet. Et les natifs donc du troisième décan sont nés entre le 13 juillet et le 23 juillet. Donc c'est un horoscope solaire, comme je le rappelle. Donc c'est un horoscope général qui est basé uniquement sur la position du Soleil, on va dire, donc dans le signe du Cancer ici. Je ne prends pas en compte les autres planètes car là il faut voir avec un astrologue pour plus de précision concernant votre thème personnel. Alors donc j'ai parlé du premier décan. Alors les natifs premier décan Cancer. Alors plutôt une année positive, on va dire, cette année 2023. Alors notamment avec un trigone de Saturne en poisson à partir du 7 mars 2023, quand Saturne va rentrer en poisson, ça va former un beau trigone avec votre soleil. Donc là, c'est vraiment positif pour vous, pour établir des choses, pour être en adéquation, pour être sur la même longueur d'onde. Alors ça peut être avec un partenaire, c'est pour vous permettre de construire certaines choses, une relation de couple, ou pourquoi pas dans le travail, hein, travail qui vous convient, qui vous convienne par exemple, où vous vous sentez plus à l'aise, ce qui est important pour vous, hein, l'atmosphère, besoin d'être assuré, voilà, d'aller sur les bons rails. Donc là vraiment un côté où vous pouvez mettre des choses en place. Vous vous sentez beaucoup plus aussi un côté plus sérieux, plus posé, plus travailleur peut-être aussi, hein. Vous vous sentirez bien à l'aise dans ce que vous faites. Donc vraiment une phase de construction voilà, très importante pour vous, qui est assez belle, je dirais. Ensuite, vous aurez le quinconce à Pluton en Verseau du 23 mars au 11 juin. Alors bon, là, ça donne une petite dichotomie par rapport à des changements qui peuvent se faire, notamment dans nos projets peut-être ou nos relations. Ça peut être avec des amis, voilà, donc il peut y avoir peut-être des choses à revoir, des petites choses à revoir. C'est pas dramatique, mais ça peut créer, voilà, peut-être des petits une petite remise en question, on va dire. Non, rien de méchant, bien rassurez-vous. Vous aurez ensuite le sextile de votre soleil à Jupiter en taureau du 17 mai au 5 juillet et du 17 novembre au 31 décembre. Alors là, ça va vous donner une croissance de l'opportunité, du bien-être, de l'épanouissement. Vous vous sentirez à l'aise, bien dans vos baskets. Donc vous pourrez établir beaucoup de choses, faire plein de choses qui vous plaisent. Donc il y a de l'enthousiasme, de la joie, de la bienveillance. Vous pouvez vous sentir épanoui à ce moment-là, de la croissance. Ça peut être dans le domaine matériel en taureau, mais ça peut très bien aussi être dans d'autres domaines selon votre thème. Alors ça peut être financier aussi, familial, voilà, dans le quotidien, avec vos proches, vos amis, ou que sais-je. En amour, donc il y a une phase, on va dire, plutôt positive là pour vous, pour l'ego, pour la relation aussi au père, à l'homme, enfin de manière générale, hein, c'est pas forcément que ces figures-là, mais c'est ça peut, voilà, donner des bienfaits, donc il peut y avoir des opportunités à ce niveau-là. Ensuite, il y a les aspects de Mars, alors notamment votre soleil qui sera conjoint à Mars, hein, en cancer du 26 mars au 14 avril. Donc là, il y a une énergie là assez peut-être un peu plus importante à ce moment-là, où vous aurez besoin d'agir en fonction de ce que vous ressentez, hein. Mars en cancer, c'est par rapport à vos émotions, vos ressentis. Donc, alors si c'est bien vécu, vous verrez une énergie qui se mettra au service peut-être des autres, dans votre famille, dans vos relations, peut-être au travail aussi, que sais-je, mais si c'est mal inspecté, en revanche, attention un peu d'agressivité, de réagir un peu de manière émotionnelle et un peu trop passionné ou trop impliqué émotionnellement. Donc faut faire attention avec un Mars en Cancer qui est en chute, hein, dans ce signe, de pas trop s'emporter, de pas trop comment dire, soupoler, ou de réagir, voilà,
assez, comment dire, sur, voilà, pour la moindre contrariété, on va dire, entre guillemets. Voilà, bon, après, ça, c'est tout dépend des aspects dans votre thème, encore une fois. Ensuite, vous aurez le sextile à Mars en Vierge du 11 juillet au 27 juillet. Donc là, en revanche, c'est plutôt positif, hein, une belle énergie pour mettre en place certaines choses pratiques, par exemple dans votre vie quotidienne, à la maison, au travail, dans vos relations aussi, pourquoi pas. Donc, c'est positif pour tout ce qui est mettre en place, par exemple, des choses qui ont un rapport avec l'organisation, la vie pratique, voilà, être organisé, c'est positif pour être attentif à certains détails, hein, être beaucoup plus, avoir l'esprit beaucoup plus pratique, plus pragmatique. Ensuite, le Soleil sera carré à Mars en balance du 28 août au 12 septembre. Donc là, en revanche, attention à des conflits qui peuvent émerger au sein de relations, dans le couple. Il va y avoir des disputes, des mésententes, voilà, des contrariétés. Donc attention à cette période-là qui est un peu plus tendue, entre guillemets. Voilà, en cette fin d'été. Donc faut savoir peut-être. Être plus souple, être plus attentif à l'autre, voilà, et ne pas trop s'emporter. Et enfin, le trigone à Mars en Scorpion du 13 octobre au 27 octobre, là, qui est très positif pour vous, hein, signe d'eau, donc beaucoup d'intuition, beaucoup d'énergie mise au service d'un quelque chose de beaucoup plus profond. On peut aller au fond des choses, être dans un côté plus intérieur, plus secret, et être agir en ce sens, hein, de manière efficace et persévérante et perspicace. Il y aura, ah oui, enfin, quinconce à Mars en Sagittaire, donc du 25 novembre au 8 décembre. Là, ça donne une petite dichotomie, une petite légère conflit, donc par rapport à des énergies qui sont un peu trop importantes, hein, qui peuvent nous dépasser. On a ce côté, comment dire, qui peut irriter, qui peut agacer, qui peut un peu énerver par rapport à des questions éthiques, morales, philosophiques, voire en Sagittaire. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des voyages, des idéaux. Voilà, donc ça peut être par rapport à toutes ces choses-là. Donc il y a voilà, une légère énergie mal maîtrisée. Et enfin, vous aurez le sextile à la Lune noire en Vierge du 5 octobre au 2 janvier 2024. Donc là, c'est positif pour sublimer via un travail intellectuel, par exemple en Vierge, sublimer des manques. Donc si on a des désirs ou des choses qui nous, des peurs profondes par rapport, je sais pas moi, sur le côté en Vierge, ça peut être par rapport à la santé. Hein, on peut avoir des troubles obsessionnels ou avoir des choses qui peuvent un peu comme de l'hypocondrie, hein, en santé, là c'est plutôt bien vécu, donc on peut procéder soit à des examens, être beaucoup plus posé, être beaucoup plus dans l'analyse, être pragmatique, et ça peut vous aider pour combler un certain manque, hein, dû à voilà, c'est très inconscient tout ça, c'est pas très perceptible, mais voilà, ça peut jouer sur votre état intellectuel du moment et vous sentir mieux qu'à l'accoutumée. Donc voilà ce que je peux dire pour les premiers décans cancer. Ensuite, pour les deuxièmes décans, donc les natifs, vous aurez donc un beau sextile de Uranus en taureau toute l'année. Alors ça, c'est positif pour avoir un peu un côté un peu original, hein, à l'accoutumée, où vous pouvez sortir un peu de votre cocon, être un peu plus ouvert à des nouvelles choses, par exemple. Alors c'est en taureau, c'est vrai que c'est lié un peu à votre signe, un peu un côté où on se sent en conformité, enfin il y a un côté où on se sent un peu dans son confort, mais Uranus vous apporte quand même une certaine indépendance aussi, de la liberté, vous voulez peut-être tenter des choses que vous ne ferez pas en temps voulu, mais vous le vivrez bien, vous ferez des choses un peu insolites, un peu pas habituelles, quoi, et c'est toujours présent, on va dire, depuis, c'est même présent cette année, hein, c'est toujours présent. Et donc c'est une continuité de 2022 par rapport à on va dire, à votre état du moment. Et vous vivez bien un peu tout ce côté très libre, uranien. Donc le côté, ça peut être des amitiés qui sont bien vécues, beaucoup
beaucoup plus de liberté dans nos relations, etc. Il y a aussi d'ailleurs un sextile à Jupiter en taureau, donc du 6 juillet au 7 novembre, donc la deuxième partie de l'année, qui va aussi vous épanouir en même temps, donc vous apporter de la croissance, des opportunités, de la réussite. Vous vous sentirez épanoui, joyeux, pour avoir de croissance peut-être au niveau matériel, professionnel, vous pouvez avoir des choses qui vous gratifient, des relations. Donc après avoir, hein, selon votre thème, bien entendu. Donc avec un Jupiter en taureau, souvent dans le domaine matériel, on peut avoir ce côté assez, comment dire, un accroissement à ce niveau-là. Donc ça peut être assez intéressant, peut-être dans ces domaines-là à suivre. Hein. Ensuite, les aspects à Mars directement. Donc vous aurez votre Soleil qui sera conjoint à votre Mars, donc en Cancer, du 15 avril au 3 mai. Donc là, encore une fois, de l'énergie, bonne énergie qui sont mises à contribution. Vous agissez en fonction de vos émotions, votre émotionnel. Donc ça peut être bien vécu. Si c'est bien vécu, vous pouvez agir efficacement dans certains domaines, que ce soit familial, professionnel ou autre. Donc il peut y avoir vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez agir selon votre intuition, hein, au ressenti du moment. Si c'est plutôt mal vécu, parce qu'une conjonction, ça peut être un peu à double tranchant, bah, là, attention à votre réaction aussi. Vous pouvez réagir un peu de manière immature. Hein. Mars en Cancer, c'est un peu comment dire, le coup du pince le pince du cancer qui se referme à un moment donné, hein, si on se sent trop forcé ou repoussé dans ses retranchements. Donc là, attention à des réactions émotionnelles un peu trop vivaces. Ça peut être un peu d'irritabilité, des disputes, hein, voire. Donc attention à ce moment-là. Mais sinon, voilà, ça peut être bien vécu. Alors, sextile Mars en Vierge du 27 juillet au 12 août. Là, en revanche, bonne énergie pour mettre à contribution au service du quotidien, de la vie quotidienne, professionnelle, le travail, la vie, les obligations familiales, de la vie de tous les jours. Hein, boulot, métro, dodo. Et puis, vous pouvez agir efficacement, justement, en ce sens. Être plus ordonné, plus pragmatique, plus posé. Donc ça vous aide bien à ce niveau-là. En revanche, carré à Mars en balance du 12 septembre au 28 septembre. Attention, encore une fois, peut-être des légères tensions au sein des relations, du couple. Il faut peser le pour et le contre, donc attention de ne pas avoir voilà, trop des différences dans la manière de se comprendre, en fait. Donc il peut y avoir des mésententes. Ou les conflits qui peuvent émerger. Ensuite, un trigone à Mars en Scorpion du 27 octobre au 11 novembre. Donc là, c'est plutôt positif pour aller au fond des choses, pour agir de manière perspicace, intuitive, profonde, psychologique. Donc là, il y a un côté très très intuitif, un signe d'eau comme ça. Donc là, c'est très positif pour faire jouer votre intuition, pour aller au fond des choses, faire découvrir des secrets là qui sont cachés aussi. Pourquoi pas? Et Soleil quinconce Mars en Sagittaire, léger dichotomie, légère tension. Votre ego il peut être touché. Donc là, vous pouvez aller un peu trop loin, avoir des énergies un peu martiennes qui s'emballent un peu, qui sont un peu trop grandiloquents, mais c'est léger. Il n'y a rien de très, 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 très important. Donc prenez ça avec beaucoup de recul. Enfin, donc les troisièmes décans, donc vous aurez en revanche, alors, dès le 1er janvier, l'opposition de Pluton en Capricorne, toujours. Donc vous avez pu vivre déjà ces dernières temps, même cette année, ces dernières années, des tensions, des remises en question profondes de votre être, de vos rapports avec peut-être les hommes, l'homme, vous-même intérieurement, une hiérarchie. Donc il y a pu y avoir des choses difficiles à ce niveau-là, peut-être des choses à revoir. Des bouleversements, enfin des transformations assez difficiles. Ça peut être soit dû à une vie compliquée, alors ça peut être soit dans le travail, en amour, en rapport avec la santé. Enfin, il peut y avoir des choses qui ont pu vous marquer ces dernières années où il a fallu peut-être faire table rase de certaines choses, soit relations, soit repartir sur de nouvelles bases. Et c'est encore actif malheureusement cette année. Ça va commencer à se dégager à partir du 23 mars. Forcément, Pluton va changer de signe en Verseau. Mais il va revenir encore en fin d'année, l'année prochaine. Donc forcément, vous le ressentirez encore un peu. Il faut peut-être terminer une phase encore, à terminer certaines choses.
Et cela peut être aussi confirmé avec le quinconce de Saturne en Verseau. Hein, Saturne, c'est le maître du Capricorne. Donc, il peut y avoir aussi des petites légères blocages hein, en même temps qui peut avoir lieu donc du 1er janvier au 6 mars. Donc, c'est à peu près la même période. Alors, peut-être revoir un peu nos systèmes de valeurs, enfin, revoir certaines choses. On peut se sentir un peu entre deux eaux, un peu bloqué dans nos projets, peut-être avec des relations, des amis, que sais-je. Donc il faut peut-être essayer de revoir certaines choses pour partir sur de bonnes bases. Mais bon, ça va passer assez vite, donc vous aurez plus après ce quinconce. Ensuite, le Soleil sera trigone à Neptune, donc en poisson, alors toute l'année en même temps, donc en fond de toile, vous aurez quand même cette intuition en vous, beaucoup d'intuition, hein, signe d'eau, hein, cancer et poisson, donc ça c'est très beau. Hein, avec Neptune, on est porté, on a un idéal, on est idéaliste, et là, bah, ça va vous porter, voire peut-être, pourquoi pas, dans le meilleur des cas, des capacités médiumniques, sauf si vous les avez déjà. Ça peut être voilà, des choses comme ça, par exemple, mais ça peut être tout simplement de l'intuition, beaucoup de flair, enfin de. Une âme d'artiste aussi, pourquoi pas. Hein. Donc, faites jouer beaucoup ça. Hein. Vous êtes assez émotionnel, vous êtes beaucoup dans le ressenti, ça peut vous aider, forcément. Le sextile à Uranus en taureau du 29 mai au 10 décembre, lui, va vous apporter aussi de l'originalité, plus d'indépendance, de liberté dans votre manière d'être. Donc, vous vous sentirez plus libre, plus original aussi, un peu excentrique, voire, plus ouvert, éclectique, ouvert à des projets, à des nouveaux concepts, des nouvelles choses. Donc c'est intéressant à suivre pendant cette période, ce qui peut vous arriver. Donc, pourquoi pas un nouvel amour, une union libre, des choses comme ça par exemple. Pas forcément, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Ça peut être une relation aussi avec une hiérarchie ou un homme où on se sent beaucoup plus. Libre, c'est un peu un côté amical aussi qui est bien vécu. Et ensuite, vous avez les aspects donc de Mars. Alors, le Soleil sera conjoint à Mars en Cancer du 3 mai au 20 mai. Donc, la bonne énergie pour agir en fonction de ce que vous ressentez, encore une fois. Hein. L'action est mise au service de vos émotions. Donc, vous pouvez vraiment faire des choses qui vous tiennent à cœur. Attention, cependant, si c'est mal inspecté, vous risquez de vivre des tensions émotionnelles. Donc attention, réaction, à certaines peut-être disputes ou conflits qui peuvent émerger éventuellement à ce moment-là. Le sextile à Mars en Vierge du 12 août au 27 août ensuite va vous aider hein, au niveau de l'action pour agir concrètement, de manière ordonnée, pragmatique. Vous serez plus dans le sens de l'analyse, vous agirez par rapport à plus de raisons, moins dans l'émotion. Vous serez, enfin, en tout cas, vous serez allié les deux, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus pratique, efficace aussi. Vous pouvez agir dans le quotidien, travail, dans plein de domaines selon votre thème, hein, mais de manière beaucoup plus pragmatique et ordonnée. En revanche, ensuite, le Soleil qui a Mars en balance du 28 septembre au 12 octobre va vous créer beaucoup plus de tension, voire d'agressivité, de l'énergie mal contrôlée. À force de peser tout le pour et le contre ou d'être peut-être indécis, peut créer un peu de désappointement. Vous pouvez vous sentir un peu en décalage. Donc attention, à ce moment-là, on se situe mal, on a des énergies un peu contraires. Donc ça peut créer des mésententes, voire des disputes. Alors, la balance, souvent le signe des collaborateurs, du couple, des relations. Ça peut être des problèmes d'association, de contrat. Donc, ça peut être toutes ces choses-là. Bon, après, c'est la justice, par exemple, mais c'est un exemple. Hein, ce n'est pas forcément le cas. Donc, après, voilà, il faut voir votre thème. Ensuite, il y aura le trigone à Mars en Scorpion du 11 novembre au 24 novembre. Là, c'est beaucoup plus positif pour aller au fond des choses, pour agir de manière, comme j'ai dit, perspicace, intense. Alors, ça peut être bien, par exemple, pour la sexualité, pourquoi pas, mais pour agir pour le sport, pour des métiers, enfin des choses intenses, par exemple, qui a besoin aussi de recherche, de scruter des choses, d'enquêter, par exemple, de faire un métier de recherche ou un travail de psychologique.
Mais tout simplement, après, voilà, ça donne des énergies intenses, puissantes et beaucoup de ressentis. Donc, toujours jouer vos ressentis, hein, Sindo, votre flair. Enfin, le quinconce à Mars en Sagittaire du 23 décembre au 31 décembre, en revanche, va vous mettre une petite dichotomie dans l'énergie qui peut être un peu en décalage, où vous pouvez avoir trop, un peu trop plein d'énergie. Alors, ça peut être aussi bon pour le sport, mais ça peut être attention, peut-être à des légères blessures, ou peut-être voilà, on peut se sentir un peu agacé, on est un peu en décalage avec certaines choses. Alors, si c'est dans les relations ou autres, hein, ça peut créer des petites mésententes, mais c'est pas méchant. Et enfin, le soleil conjoint lune noire en cancer du 1er janvier au 8 janvier, donc là c'est juste en début d'année, les premières semaines, là, ça vous aide à combler un manque, alors peut-être un côté nostalgique par rapport au passé, hein, vous êtes cancer, donc là il y a quelque chose peut-être par rapport à l'homme, le père, ou une figure d'autorité qui peut vous combler, qui peut vous aussi vous manquer, donc ça peut réactiver des choses du passé, on peut se revoir en famille, il peut y avoir quelque chose de plus ou moins important à ce moment-là, donc début d'année, voyez ce qui peut éventuellement vous rappeler un peu la nostalgie du passé, la famille. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de petite période importante à ce niveau-là. Voilà. Bon, bah, j'ai terminé. Hein. J'ai terminé l'horoscope donc pour les trois décans. Donc voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez. Vous avez tous les liens en fin de vidéo et en dessous de la vidéo. Voilà, donc quant à moi, bah, je vous dis bonne journée et je vous retrouve pour la prochaine vidéo pour le signe du lion. Au revoir.